sound we want exists already in real life, say, we couldn't go and record it. We can join them together on a loop and listen to them. Moi, personnellement, j'aime peu le son synthétique et je préfère me servir des instruments de transformation électroacoustique pour bouleverser l'ordre un peu trop traditionnel des sons, mais en gardant au son leur origine acoustique, leur origine musicale et le contact qu'ils ont toujours avec le doigt de l'instrumentiste. First thing we do when we're putting a track together is start with the beat. Then we add something from a record like this. Having got that into our sampler, we play it. And that's it. Number one, what is your name, please? My name is Robert Moog. Obviously, this takes a combination of someone who can play the piano and somebody who understands the synthesizer, right? Yeah, you have to know what each of these controls means here. Each one affects one property of the sound. That's why it's called a synthesizer, because it puts together sound out of its individual parts. From New York, here is I've Got a Secret, starring Steve Allen. Right now, as we say in showbiz, we're going to show you some of the other sounds. Gentlemen, come in, and you'll hear the sounds first with the instruments, and then I'll see you later. Ladies and gentlemen, this woman standing next to me is an electronic wizard. She composed many of the soundtracks you hear on commercials. She's reproduced the electrical musical effects for the disco version of Star Wars, and she's won award after award. This is Suzanne Ciani. And what? Now that was making. She's doing odd things now. It just has a mind of its own sometimes. Let's tell the people. This will be a little bit better, David. Okay. Tell them what we got here. This looks like just a normal keyboard, and then all of this other stuff appears to be computers. Well, more or less. Ici, c'est toute la batterie de magnétophone qui permet un mélange de tous les sons. Ce n'est pas avec ces appareils que l'on fabrique des sons. Ces appareils sont faits pour les monter et les mélanger. Les appareils de création de sons, ce sont des générateurs qui se trouvent en particulier ici, où là, vous pouvez retrouver
des timbres nouveaux que j'essaye de fabriquer ou que j'essaye de mettre au point. Vous avez là un générateur, un autre générateur, et tous ces boutons donnent toutes les possibilités de filtrage, de détimbrage. Donc générateur de son, ça veut dire que vous inventez des sons originaux. Oui, c'est toujours le cas. Des sons artificiels, des sons qu'on ne peut pas entendre, qu'on ne peut pas faire jouer par des instruments et qu'on ne peut pas entendre dans la nature. C'est-à-dire que ce ne sont pas des sons dits de musique concrète. Ce ne sont pas des sons de musique concrète, ce sont des sons électriques. Par contre, là, ce que vous entendez, ce sont des sons de musique concrète, parce que ce sont des sons, par exemple, ça, c'est fait avec de l'eau ou avec un peigne. Rock'n'roll.